Bonjour à tous, le champion du midi spécial étudiant, l'Udiali Mini Intercollège, nous finis à Dopteli, nous finis baptisé comme ça, cinquième éliminatoire. Bonjour Caroline. Bonjour à tous, surtout à nos plus fidèles de l'émission sur la page Facebook du défimédia.info. C'est un bonheur de vous retrouver en cette fin de semaine, vendredi. Et nous terminons la semaine avec un collégien, c'est formidable ça. Oh bien. Une personne qui nous a trouvé dans le sud. C'est vrai. À 7h06, je t'ai appris dans l'école, avec des tableaux comme ça, avec des professeurs là qui peut dire qu'il y a un baillé dans la classe. C'est une fille fatiguée avec un cours. Hein, donc. Il arrive des 15h, 3h. Exact. Mais là, c'est le moment qu'on se colère. On se détend. On se détend. Bien sûr. Le boulot au jusqu'à 11h, à midi, ça sert à rien. Grâce matinée, Brandon, nous rappelle tout ça là. Grâce matinée. Grâce matinée. À l'époque, nous. Hein. Fini, c'était ça pour nous. Fini pour nous. Tu pousses. Oui. Oui. Pour tous. Plié, ça, grâce matinée. Alors, Caroline, tout nous ban collégien, nous ban étudiant, in vini point sel but, c'est décrocher le prix en or. Le prix en or, on en parle justement un peu plus dans les détails. Brandon, ce prix en or qui attend l'un d'entre eux, c'est un iPhone 8 64 GB avec son Apple AirPods Pro d'une valeur de 30 000 roupies. Tout ça offert par Swapcash. Je vous rappelle qu'en ce moment, vous allez pouvoir visiter son nouveau showroom du côté du centre commercial de Jumbo Phoenix. Oui. Ça se passe du côté de Swapcash. Allez-y, profitez. Allez, profitez du côté de Swapcash. Et surtout, l'étudiant ou l'étudiante qui pousse champion, championne du midi, certes, je vous gagne le prix en or, mais le titre qui est important, le titre qu'on rentre dans l'école d'or. Oh oui. Quelle fierté, non? Même champion, là. Ils auront leur trophée en plus. Hein. Un trophée? En guise, bien sûr, de participation. Mets nos tablettes, merci, Caroline. Il y aura tout ça pour eux. Ça fait encourage, nous, man, participants. Merci d'applaudir le public qui est bien présent dans le studio de Télé Plus, Sarah Cheikh Daoud. Applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour, Sarah. Bonjour, Brandon. Ça va? Oui. Alors, Sarah, de quel endroit? Pau-Louis. Pau-Louis, quel âge tu as? 17 ans. 17 ans, et tu fréquentes quel collège? Ringalenen, Sini-Vincennes. SSS. Oui. En colère. Non, non. Si, on va couler au moins. Là, qui te chose pour réponse. Moi, allez, moi, écoute tout, Sarah. Dis-moi, qui m'en fait, qui m'en fait. Vous devez être moi, sérieux, là. Dire, le... Sarah, pas hésiter, hein, allez, Céline. Fermez champ avec vous. Ou bien un coup de meilleur, Carole. Ah, oui. Rien du tout? Non, non. Allez, contente d'être oui. Là? Ok. Sarah Cheikh Daoud, 17 ans, du collège Ringalenen Sini-Vincennes SSS. Très content de la lecture, Caroline. Ah, c'est bien. Tant bouquiné. Moi, comme ça, réseau portable, Instagram, Facebook, TikTok. Je suis content d'avoir ce livre. Oui. Tout ça m'en passe, là, en porre. N'est-ce pas, Sarah? Oui. Allez, raconte-nous comment ça a fini, l'amour pour la lecture. Ça a commencé un jour où j'avais décidé d'acheter un livre et j'aimais bien cet auteur-là. Qui livre ça? Premier livre, ça? Oui. Premier livre, qui livre et qui auteur? Cassandra Clare. Vous connaissez Caro? Même pas. Alors vous imaginez. Non, même pas, on est qu'on a et qui n'est arrivé après? Après ça, mon amour pour le livre a augmenté de jour en jour. Oui, commence à compter des histoires là. Oui. Envie qu'on est qui peut arriver après. Oui. Impatient pour Réli-Ali, quand il sortit d'école, rétrapli, qu'on a la suite. Et qu'on finit. Même épisode ça, comment dire? Ah oui. Une télé-novela. On vient à Rodin Lut. C'est vrai. Et c'est là qu'il a l'amour de la lecture de Vini. C'est vrai oui. Ou parce que mon mauvais Jens Affaire, au hasard, là, on m'en est si livré. Et comme ça, ça vient de passer? Oui. Oui. Combien de livres à peu près, là, côté Sarah, là? Beaucoup. 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 Une tablette? Une ensemble? Toute une bibliothèque? Presque. Eh ben. Déjà, papa ou maman, achetez une bibliothèque. Ou fait une bibliothèque à la maison. Sarah, bonne chance. Merci. L'école, le collège Ringalenen Sini-Vincennes SSS, derrière toi. Et nous demande à tous les élèves Ringalenen Sini-Vincennes, commentez, encourage Sarah Cheikh Daoud. Son adversaire, c'est Ketan Janki. Applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour, Ketan. Bonjour, Brandon. Ça va? Ça va bien, merci. Alors, Ketan, dis-nous qui collège t'es toi? Moi, collège l'écrase Tiloc, SSS oui. FAC. Très bien. Quel endroit t'habiter? M'habite Providence. Qui l'as-tu en a? Mais a 19 ans. 19 ans. Il y a le collège l'écrase Tiloc, SSS. Et l'Indesa, cap classe. Il n'y a pas pour monter, vous dire aujourd'hui.
En fait, chaque mardi, nous avons une période libre. Enfin, pas libre, librairie. Oui. Une heure par chinois à la librairie. Du coup, libre même, ça. Ouais. Pour Sarah, exact. Pas libre, c'est vrai. Hein. Sarah, elle est contente, libre. La place chinois de place là, nous, nous pas fait nous-mêmes là-bas, nous n'avons que mes dialogues. Oui. Nous profitons libre pour caper, pour jouer boule. Ah. Mais attendant là, c'est moins habitué à nous. La place là, nous, pour tout, nous connaissons pour pas dire, nous pour jouer boule, nous, 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 là-bas, puis habitué. Dès là, qui est arrivé après. Non, il est correct quand même. Ah, si. Oui. On est quand même dans le notebook, non, il est là. Non, est-ce que c'était encore au cap librairie? Ça peut aller vivre des gens. Ça peut aller vivre des gens, de vous faire. Nous finissons habitué à aller à ce. Ça veut dire, pour que tu n'aies jamais une travail de livre dans la librairie. Avant, quand je suis petit. Quand je suis petit. Il y a un gars, des dessins animés, des images. Exact. Ou trappe journal, tu mets un défi quotidien. Non, mais je finis que je vais jouer là. On va jouer. D'accord. Kétan, bonne chance. Vous savez qui classe tu es là? Un peu. Et Sarah, bien sûr, dans Forme 5. Forme 5. Mesdames et messieurs, Reine Ganaden Sinivasen SSS face à ce l'écrase Tilok SSS. On y va. Première manche. Big Pool. Likez, commentez, partagez, surtout si Wall ça décolle là. Alors, Kétan et Sarah, première manche, lit très très simple. On commence doucement, doucement. Mais sûrement, chaque question il a quatre propositions de réponse A, B, C, D. Est-ce qu'il y a A, B, C, D devant vous, demande pas encore. Oui. C'est bon? Et qu'on ne connaît qui est arrivé? Big Pool. Big Pool. Un pool, comment il fait, Kétan? Poc, poc, poc. Poc, poc, poc. Vous dites, c'est un pool bien classe. Un pool là-bas, c'est poc, 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 poc. Après, poupon, poc, 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 poupon, là. Hein? Première question. Qui est considéré comme étant le père de la nation? Est-ce A, Sir Siusagar Ramgulam? B, Sir Anero Jugnut? C, Sir Gaëtan Duval? Ou D, Sir Frédéric Henrik? Qui est considéré comme étant le père de la nation affichée? Allez, de toute façon, tournez. Là. Bon, bah, bon. Bon. T'es content? Kétan? Sarah? Le père de la nation? Sir Siusagar Ramgulam. La réponse A, c'est ça? Oui. A, Sir Siusagar Ramgulam. Kétan? Ah, pareil, Sir Siusagar Ramgulam. Bravo! 5 points chacun, ça commence bien. Sir Siusagar Ramgulam, né le 18 septembre 1900 et mort le 15 décembre 1985, est un homme d'État, premier ministre, puis gouverneur général de Maurice. Il est considéré comme le père de la nation mauricienne. Deuxième question. Comment dit-on quarter to 3 p.m. en français? Comment dit-on quarter to 3 p.m. en français? Est-ce A, 14h45? B, 15h15? C, 15h45? Ou D, 14h15? Quarter to 3 p.m. A, 14h45? B, 15h15? C, 15h45? Ou D, 14h15? Affiché. Bodiman Kétan du collège SSS L'Écrase Tilok. Ah. Ah, c'est-à-dire 14h45. Pour prendre un petit peu de 14h, 13h, 20h. Oui. D'ailleurs, en anglais, surtout quarter to three, oui. Quarter to four. Sarah? 14h45. Mêmes affaires. Oui. Et si tu ne choisis A? Oui. Bonne réponse, bravo, 5 points! Des deux côtés, joli match. On me compte comme un match là, des mots comme ça, Caroline. Alors, rendez-vous ici à 14h45. Now we will meet back here at quarter to three. Troisième question. Que signifie l'acronyme WWW? WWW. Est-ce A, World Wide Web? B, World Wi-Fi Web? C, World Web Windows? Ou D, World Windows Web. Affiché. Bon, remarquez, Caroline, un étudiant, un collégien, jamais je dire, très rare, je dire, répétez s'il vous plaît. Ah non, ils sont très attentifs. Hein. Appliqués. Contrairement à nos adultes. C'est ça, mon adulte. Non, mais. On donne de cas répéter un troisième, quatrième, rédiger encore un coup. Bah là, non, vous êtes direct. Direct, hein. J'apprécie énormément. Ils se croiraient même en classe, j'ai l'impression, hein. Vous êtes le professeur, ils sont les élèves, ils suivent. Malarès vous dit bonjour, monsieur. Oui, carrément. Sarah, du collège Reine Ganaden Silivasen SSS. World Wide Web A.
Ça va depuis comment soit l'élève à Emily. Tu comptes ça pour quand Allah, il plus joli. Ah, World Wide Web. Il nous a tout ça. Dans le computer. Dans le computer, il n'a pas l'école. Oui. Il y a quoi là de la tête. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire, Ali? Appareil. Appareil. World Wide Web. Bravo, 5 points chacun. Qu'est-ce qu'ils sont forts, nos étudiants. Franchement, moi, je suis pleine d'admiration. On appelle Web, nom anglais signifiant toile, contraction de World Wide Web, d'où l'acronyme WWW, une des possibilités offertes par le réseau Internet de naviguer entre des documents reliés par des liens hypertextes. Et puis le début, AAM, là, est-ce que ça vous durait? Quatrième question. Qui est le fondateur principal de Facebook? Est-ce A, Chris Hughes? B, Christopher Columbus? C, Mark Zuckerberg? Ou D, Edward Saverin? Encore une fois, si on écoute bien ma proposition de réponse, et je ne finis affiché dès qu'il nous terminait. Ketan? C'est Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Vous connaissez? Sur Facebook tous les jours, normal. Oui. À cause de ce fondateur. Sarah? C'est Mark Zuckerberg. Oui! Mark Zuckerberg, bravo! 5 points chacun! Quel duel! Mark Zuckerberg, informaticien américain, est connu pour avoir fondé le réseau social Facebook en 2004 avec ses camarades Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz et Chris Hughes, alors qu'il était étudiant à Harvard. La cinquième et dernière question pour le Pickpool. À Rodrigue, où se trouve Port-Mathurin? Côte-Port-Mathurin trouvée de Rodrigue. Est-ce A, le nord? B, le sud? C, l'est? Ou D, l'ouest? Si on aurait eu notre mascotte, Joy, elle vous aurait répondu quoi? Vous imaginez un petit peu, Brandon? Par rapport? Bah, la question, par rapport à la question. La question, Rodrigue? Oui. Où se trouve Port-Mathurin? Oui, elle vous aurait répondu. Côte-Tou, Brandon. Côte-Tou, galaxie, planète. Oui, il est capable de répondre. Donnez-moi une question, ma réponse, là à côté. Affichée. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. A, le nord. B, le sud. C, l'est. Ou D, l'ouest. Affiché? Bien, comme il le faut. Ketan, du collège SE, l'écrase Tilok SSS. A, nord. A. Oui. Il est pensé, moi, tout vous réponse pour AM. Espérons. Espérons. A, le nord. Tandis qu'il Sarah, il l'évène le. Pas encore. C'est-à-dire, Sarah. L'est. C. C, l'est. Mesdames et messieurs, Port-Mathurin les trouve dans le nord de l'île Rodrigue. Bravo, Ketan! 5 points! Et tu as raison, Picpoul, et tu as raison, Montiloman Alem. Port-Mathurin se trouve bien évidemment dans le nord de l'île Rodrigue. Terminé concernant nous, Picpoul. Se trouver de chupes stressé, tu peux bibonner. T'es bien passé, Sarah? Oui. Si, hein? Oui. Allez, fais un bel exercice. Log les bras. La moto, bébé, petit. Fais comme ça. T'as dit, parlez-moi, moi. Pas vous faire. Mais d'accord. T'as fait, toi? Ouais, il fait, il est bon. Ah, log. T'as quelques cuillères, Zélie, moi, d'ouvrir. Merci. 100% cuillère? Je crois. Lui croit. Alors, ça ne nous pas gagner à 600%, pas 100%. Allez, on y va. Deuxième manche, un thème imposé. Cinquième éliminatoire, le champion du midi spécial étudiant. Et Kodnouena Sarah du collège Ringaladen Sinivasen SSS à ma droite, face à Ketan Janki du collège Se L'Écrase Tilok SSS. Merci à nos partenaires, Caroline. Oui, tout à fait. Nous allons remercier notre partenaire, eh bien, Métro Express Limité, pour voyager en toute sécurité. Super U, bien sûr, vous pouvez faire vos courses. Regardez, c'est la fin du mois. Profitez-en pour remplir vos placards, votre réfrigérateur. Il y a plein de promotions en ce moment, mais allez-y mollo quand même. Hein. Oui. La vie est dure. La vie est dure. Alors, on va remercier la promotion, également... On dit aller à la Ster. Mais comment... faire des achats intelligents. Donc, Pepsi, bien sûr, à qui on dit un grand merci. Pop by Bank One pour faire... Eh bien, vos achats, vous pourrez télécharger dès maintenant. Pas besoin d'être client chez Bank One, mais vous pouvez, eh bien, en revanche, télécharger cette application Pop by Bank One qui vous permettra de faire tous vos achats avec cette application. Plus besoin de se trimballer avec son porte-monnaie. Et puis enfin, grand merci à notre partenaire Swapcash. N'oubliez pas ce fameux prix en or, effectivement. Ah oui. Merci, Caroline. Montan Pepsi, nous lance l'appel à Pepsi, c'est capable de nous un petit zéro là.
6-0, bah, je peux pas. Ah, mais oui, pour vous rafraîchir un petit peu. Rafraîchir un petit peu, je dis ça, mais je dis rien. Ça va, les enfants? Ça va. Dis-moi, oui. Oui, monsieur. Le thème à poser, c'est bonne réponse qui commence par la lettre C. Ouais. Tout bonne réponse, puis ça commence par C. Sarah et Gaëtan, vous êtes capables de mettre C. C'est autre lit. Ah, mettez là, quoi. Hein. Mettez là, au début. Si vous avez écrit, vous avez continué. Si, Moula, il commence par C. Ouais. Écrire un petit peu plus gros, vous êtes un autre capable de trouver. Première question. Soyez rapide, surtout. Comment appelle-t-on quelqu'un qui habite, qui vit à la campagne? Comment on appelle un du monde qui habite et qui vit dans la campagne? En français seulement, hein? Allez, vite, vite, comment on a la bonne réponse affichée? Dégassez, dégassez, dégassez. Là, Sarah en premier, n'est-ce pas, Caroline? Oui, tout à fait, tout à fait. Je sais que vous pouvez concentrer, vous connaissez, vous connaissez. Je sais pas. Non, c'est pas l'idée. C'est quoi, soit c'est ça, c'est pas. Sarah, moi, écoute-tu? Campagno. Oui, Campagno, bravo! Vous trouvez la lecture, comment elle est servie? Un campagnard ou une campagnarde est une personne qui vit à la campagne, dans les régions rurales et rustiques. Deuxième question. Pas grave, Ketan, pas grave. Vous êtes capable de rattraper, là. Rajoutez ce qui manque à cette expression. Il y a une expression que je vais vous dire, il y a un mot qui manquait là-dedans. Je vais vous dire l'espace, dans ça, l'espace-là, je vais dire moi qui manquait, correct? Rajoutez ce qui manque à cette expression. Là, espace sur le gâteau. Vite, vite. Commence par C. Voilà, fini la réponse affichée. Et c'est Satya Prakash. Satya Prakash ou Ketan? Ketan, oui, Ketan exactement. Non, tu es aidé, c'est au prénom, non? Ouais. Allez. C'est moi qui vous l'écris, Ketan. Cherise. Cherise. Cherise Singh. Cherise. Cherise. Est-ce qu'elle doit t'aimer poser, Lila? Tandis que Sarah en écrire. Cerise. Cerise. Cherise, cerise, Caro. Cerise. Et qui nous acceptait qui co... Non, pas passé, pas passé. Vous êtes un véridique de Caroline. On va dire la cerise sur le gâteau. J'ai plutôt la cerise sur le gâteau. Expression. Bravo, point pour Sarah, Sheikh Dawood. Du collège Rengaraden Silibasen SSS, la cerise sur le gâteau, expression qui aurait vu le jour au XXe siècle, s'utilisait à la base pour évoquer le côté positif d'une situation. Mais aujourd'hui, on l'emploie particulièrement lorsqu'une situation qui nous agaçait déjà ou nous a fait qu'il n'a pas passé. Il a dit ah, la cerise sur le gâteau. Troisième question. Je vous commence par c'est la capitale de l'Australie. Quelle est la capitale de l'Australie? Vite, vite. Allez, 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 allez. Affiché. Et c'est Sarah en premier. Ok. Ketan? Oh, oui. Ça me dit, ouais, cap classe de boule d'aller à l'école. Et puis arrivé. Sarah? Canberra. Oui, bonne réponse, bravo! 5 points pour Sarah. Rengaraden Silibasen SSS, Canberra est la capitale et la 8e plus grande ville d'Australie. Quatrième question. Si vous faites raison de nous, c'est nous t'aimes à poser deuxième manche et tu vois une réponse, bizarre commence par C. Oui, relax. Est-ce pas péril? Vous faites ce mal l'exercice? Ah, ils veulent pas, hein? Ouais, faut concentrer. Crisper un petit peu aussi. Quelle est cette plante tropicale de la famille des graminées qui est aussi appelée verveine des Indes et qui est connue pour ses vertus anti-moustiques? Mon sport, c'est habillé. Quelle est cette plante tropicale de la famille des graminées et qui est aussi appelée verveine des Indes et qui est connue pour ses vertus anti-moustiques? C'est Sarah en premier. Ok, Nathan. Ketan, c'est bon. Sarah? Citronnelle. Citronnelle pour Sarah. Ketan? Pareil, citronnelle. Bonne réponse, citronnelle, bravo! 5 points pour Sarah, vas-y, c'est un peu plus rapide, Ketan, de d'accord avec moi. Alors, Sarah, comment tu es capable de la piste de citronnelle? Qui ça fait qu'il fait ting dans les oreilles dans la question? Parce que la citronnelle, ça fait les moustiques portières. Repousse moustique. Là, l'hiver, elle m'a vu trop tard, ni en vacances. Aussi connue comme la citronnelle de Madagascar, elle est une plante médicinale dont les tiges fraîches sont employées dans la cuisine asiatique pour leur goût citronné. Cinquième et dernière question. Là, c'est qui bon avec un vrai ou faux?
50-50, nous capables gagner 5 points toujours. Alors, efface la lettre C. Pas écrire non nier. Écrire 10, vrai ou faux. La lettre C est utilisée pour écrire canard en créole mauricien. Vrai ou faux? Et c'est Kétane. Kétane, il affiche sur l'ordoise. On écoute tout, Kétane. Vrai. Prêt, ça y est, pour vous, canard en créole mauricien, je vais écrire avec la lettre C. Sarah? Vrai. Vrai, pareil? Oui. Eh ben non! Non, 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 non. Canor, c'est avec la lettre K en créole mauricien. Oui, la lettre C, elle n'est pas utilisée en créole mauricien. Elle est remplacée par la lettre K ou S, sauf pour les emprunts. De ce fait, Canor s'écrit avec un K. Terminé. Concernant le thème imposé. Qui veut dire, nous finir traverse première manche, deuxième manche. Moi, j'ai envie de connaître un petit peu ça l'expérience de vivre, là, Kétane, par exemple. Là, pour l'instant, là, comment ça se passe? Un peu stressant. Oui. J'ai même vu devant la télé, tout ça là. Oui. J'ai même pas super humain. Mais... Allez, si t'as envie, moi, je vais dire salut aux camarades. Tu es un bon camarade, mais je suis allé tout à l'heure ensemble, je vais boule, maïs et poule. Anti-classe, en fait. Comment? Anti-classe, en fait. Ah, les camarades ont tout classe qui est. Camarade recteur? Oh. Oh non, lui, non. Abdel Victor. Abisez mon donne. Comment il appelle les recteurs? Monsieur Oudit. Monsieur? Oudit. Monsieur Oudit, nous saluons. Grand camarade, un petit avec Kétane. Sarah, ça va? L'expérience? Oui, ça va. Ça se passe bien? Oui. Vous mauvais? Non. Caroline mauvais? Non. Venane mauvais? Non. Tavèche qui mauvais, moi aussi. Non. Même ça. Non, dis même ça. A tout de suite pour la finale. Personne ne va bouser. J'utilise le métro, j'arrive plus tôt à la maison. Je ne passe plus une heure et demie dans les transports. Maintenant, j'ai le temps de me poser un moment, prendre un thé. Et surtout, j'ai le temps de jouer avec ma fille avant de commencer à préparer le dîner. Métro Express, plus de temps pour vous, plus de me time. Métro Express, it's for me. De retour pour la pour le troisième manche, Caroline. La finale, pour Bizin et Naen, parmi nous, man participants, nous, man étudiants, qui vous qualifiez pour le prochain tour quart de finale. C'est comme fait. Ça. Pour les quarts de finale, effectivement, ça va jouer dans quelques jours. Donc en même temps, je salue ceux et celles qui nous observent en ce moment à travers notre page Facebook du défimédia.info. Nos internautes sont là, ils sont là pour encourager Kétane, mais également Sarah. Sarah qui représente le collège Rengen Adan Sinevasen, mais également Kétane qui lui représente le collège L'Écrase, donc Tilleuk.
excellent. En tous les cas, merci à vous. Merci pour votre fidélité. Merci de suivre nous tous les jours. Là, dernier jour de la semaine, vendredi, notre week-end traversé. Lundi, nous pour back to business. Cinquième éliminatoire, nous check ban point. Sarah, correct? Oui. Kedan? Correct. Sarah, 40 points. Bravo! Kétan, 25 points. Bravo! Selon les règles du jeu, c'est qui n'a plus beaucoup de points commence en premier, qui veut dire Sarah. 5 questions. Rions, hein, qui est. Sarah, 5 questions. 30 secondes. Quand pas connaît, qui nous fait? Passe. Passe. Correct. Prête? Oui. Top. Le maïs et le poussin sont des nuances de quelle couleur? Jaune. Oui. En science, quel est le terme anglais pour pollinisation? Pollinisation. Par contre, passe. Combien d'enfants le prince William et Kate Middleton ont-ils? Deux. Non. On passe, Sarah, si vous ne connaissez pas. Vrai ou faux, le loup et l'agneau fait partie des fables de La Fontaine? Et c'est fini, oui. Malheureusement, trop tard. C'est vrai, mais... Trop tard. Trop tard. Alors, Sarah, il réfléchit beaucoup, un bête trop beaucoup. Alors, quand tu faisais passe, Alors, combien d'enfants le prince William et Kate Middleton ont-ils? Trois. Je dis des. Ouais, tu dis des trois. Tu vous le dis. Les trois enfants de ce couple royal sont le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Oui, c'est vrai, le loup et l'agneau fait partie des fables de La Fontaine. En science, quel est le terme anglais pour pollinisation? Le public, vous dites la réponse? Public, moi, quand finir, allez, Dieu. Non, Ketan, peut-être? Pollination. 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 Et puis, le jaune, bien sûr, et le maïs et le poisson sont des nuances de quelle couleur? Jaune. C'est au tour de Ketan. Ketan nous vient de Providence, quartier militaire, 19 ans. Il fréquente le collège Seul Écrase, Tilloc SSS qui enfonce, madame, et dis-moi, l'eau internet. Justement, Brandon, je profite de l'occasion pour rappeler à nos étudiants qui nous suivent en ce moment sur la page Facebook du défimédia.info, ils vont pouvoir participer aussi, envoyer votre message ou commentaire aussi. Et qui sait, vous repartirez vous aussi avec un cadeau. Super. Et notamment un voucher d'une valeur de 500 roupies offert par KFC. Ça s'applaudit, ça s'applaudit. Alors, mettez bien le nom de l'école, hein. Comment? Mettez bien le nom de l'école à la suite de votre commentaire. Oui, mettez une réponse et mettez l'école, qui l'école cet été. En commentaire, bien sûr. Ketan, 30 secondes. Top. Le rubis et la fraise écrasée sont des nuances de quelle couleur? Rose. Comment? Rose. Rose? Rouge. Oui. En science, quel est le terme anglais pour la photosynthèse? Photosynthèse. Oui. Combien d'enfants ont le prince Harry et Meghan Markle? Deux. Oui. Vrai ou faux, le corbeau et le renard ne fait pas partie des fables de La Fontaine? Faux. Oui. Tokyo est la capitale de quel pays asiatique? Japon. Oui. Et quand nous en arrivons là? Ben c'est bon, c'est fini. C'est fini déjà. Oui, 5 lots 5. Bravo, applaudissements pour Ketan. Premier rôle de question, Bouli. Mais une travestie, allez, avec brio. Bravo. Alors, le rubis et la fraise écrasée sont des nuances de quelle couleur? Rouge. En science, quel est le terme anglais pour photosynthèse, photosynthesis? Comme mes enfants, le prince Harry et Meghan Markle, Zutena, c'est deux, bien évidemment. Le couple royal, Zutena Archie Harrison et Lilibet Diana. Vrai ou faux, le corbeau et le renard ne fait pas partie des fables de La Fontaine? C'est faux. C'est faux, partie des fables de La Fontaine. Et puis, Tokyo est la capitale de quel pays asiatique? Japon. En remontada, effectivement. Oui, c'est le cas de le dire. Remontada de Ketan. Mais est-ce qu'il est vous suffisant, Caroline? Ah, ben on rattrape Sarah. On va le savoir, justement. Ça va se savoir. Mesdames et messieurs, qualifiés pour le prochain tour quart de finale, le champion du midi, spécial étudiant, sur Radio Plus, défimédia.info, Ketan Junkie. Applaudissements, s'il vous plaît.
Le collège seul écrase Tilok, SSS qualifié. Et là, la surprise générale, une remontée incroyable de Kétan, car Sarah qui peut mener. Alors nous donne ban point. Et oui, Sarah, 45 points. Applaudissements s'il vous plaît. Kétan, 50 points. Bravo. Allez, applaudis. Sarah Sheikh Daoud, merci beaucoup. Très très bonne candidate. Pas cause beaucoup, pas trop babode. Mais il y a beaucoup d'ossiers. Ah oui. Des réponses. Un petit mot? Je remercie Jessiny Albert. Je ne serais pas là sans ton aide. Et aussi Piusha Tunex King parce que c'est ma meilleure amie. Oui. C'est tout? Oui. La façon de commencer. Je ne serais pas là. Mais je ne suis pas là. Tu peux aller. Elle est super brillante, Sarah. C'est vrai qu'elle ne nous le montre pas, mais on a pu quand même déceler cela à travers le jeu. Oui, bravo, oui. Sarah. Vraiment. Et il y a beaucoup, hein, beaucoup de lectures. Bravo à la famille aussi. Ce papa, Njanou, Lola, papa, dîner avec lui. Ah oui. Et merci beaucoup, Sarah. Cadeau pour Sarah. Ah oui, tout à fait. Alors, Sarah qui repart avec eh bien, un bon d'achat d'une valeur de 500 roupies offert par KFC. Profitez parce qu'il y a plein de promos en ce moment, notamment sur le Kentucky Lunch Meal à 99 roupies avec un Chicky Burger, 3 nuggets et un Pepsi. Il y a 2 billets d'entrée offerts par le cinéma M-Ciné du côté de Trianon. Vous pourrez y aller également Flac ou encore Côte dans Port-Louis et vous pourrez même y apercevoir le film Thor. Et ce n'est pas tout, je termine avec un voucher d'une valeur de 500 roupies offert par Peace Angel. Merci Caroline. Vous voulez me contacter quand vous êtes Chicky Burger? Ah bon? Comment est plus fin la Chicky Burger. Chicky Burger. Alors, Kétan du collège Seul l'écrase Tilok SSS qualifié pour les quarts de finale, notre champion. Pas pour un cadeau à ce là. Ouais. Parce que vous avez réuni, Kétan, dis-nous tout. Qui n'a pas dire, qui n'a pas l'équerre, avant de nous retrouver toi pour le prochain tour. Extra Wardamon pour espérer ici gagner. Ouais. Dans boot. Dans boot. Gagner dans boot, pourquoi vous me ça? un opponent bien faux, difficile pour moi joli. Et si arrivé ou réussir à remporter le trophée, vous rentrez dans l'école, l'écrasement. Normal. Ça, non, là, vous avez du lot aux épaules, tout là. Oui. Si, là. Correct. Merci beaucoup, Kétan. Merci, Sarah. Merci, Caroline. Merci, Brandon. C'était Brandon Spinelli. Ciao, bon week-end. À lundi.